parti. Donc vous allez voir, j'ai pas trop pris grand chose. Hein. Retour de vacances aussi, faut faire attention. Voilà, alors premièrement, je vais mettre à côté de moi. J'ai pris un petit leggings comme ceci, voilà, en taille S, à 5 euros. Voilà, il me semble que c'est taille haute. Voilà, c'est marqué taille haute. De toute façon, moi, j'aime pas les tailles basses. Alors, c'est un peu bordeaux foncé. Voilà, ça, c'est pour cet automne. Voilà, bon, c'est un leggings, hein, tout simplement. Voilà. Moi, je l'ai trouvé très sympa. J'adore les leggings avec les tuniques. Donc, ça, je vous ai dit, c'est 5 euros. Je vous montre. 5 euros en taille S. Ensuite, j'ai pris un grand t-shirt comme ceci pour dormir. À chaque fois que je vais chez Primark, je prends toujours des pyjamas. Voilà. Voilà, j'avais pas vraiment envie d'un pyjama, mais plutôt d'un grand t-shirt. Alors ça, c'est un grand t-shirt mini. J'ai l'impression que c'est une nouveauté. La dernière fois que j'ai été chez Primark, je l'avais pas vu celui-ci. Je vous laisse voir, c'est un peu holographique. Voilà. Qu'est-ce que c'est marqué? MKY, donc Mickey tout simplement. Et ça, il me semble que c'était à 10 euros. 10 euros. Et c'est en taille S aussi. Je trouve qu'en taille S, il paraît immense. Hein. Au début, j'ai cru que c'était du M ou du L. Et non, non, c'est bien marqué S, hein, même sur le t-shirt. Il paraît super grand. Donc, c'est Mickey, tout simplement. Mickey qui dort et Mickey qui se réveille. Voilà, donc 10 euros. Ensuite, dernier vêtement. C'est une tunique un peu marron comme ceci. Voilà, ça par contre, c'était une nouveauté. Ils ont commencé à sortir les vêtements d'automne. Donc, c'est une tunique toute simple. Elle est un peu plus longue. J'essaye de vous montrer. Elle est un peu plus longue derrière que devant. Elle est un peu marron. Et les manches, vous avez trois boutons sur les manches. Voilà. Donc, ça fait un peu des manches trois quarts. Voilà, comme ceci. Je l'ai pris aussi en taille S et elle était à 10 euros. Je l'ai vraiment trouvée très très belle. Ça pareil, c'est un vêtement d'automne. Voilà, moi j'ai bien aimé, surtout c'est pour les manches. J'ai trouvé que ça faisait bien. Voilà, par contre je ne le mettrai pas avec, avec cette couleur-ci, ça irait pas ensemble. Mais j'ai acheté dernièrement dans un de mes anciens hauls Primark, j'avais acheté des leggings gris et noirs. Mais ça irait pas ensemble, hein, de toute façon. Hein. Non. Donc, c'est tout ce que j'ai pris en vêtements. Voilà. Et ensuite, vous allez voir, c'est pratiquement fini. J'ai repris un paquet de coton. D'ailleurs, j'aurais dû en reprendre deux, mais j'en ai encore un en backup. Mais j'en ai pratiquement fini un dans la salle de bain. Donc, c'est 75 centimes. Ce sont des petits cotons comme ceci, hein, les petits cotons basiques. 100% coton, vous en avez 120 dedans. Voilà, 120 disques. Mais j'aurais dû en prendre deux. Je me suis dit après, mais arrivé à la caisse, il y avait un monde fou. Je me suis dit, bon, bah, c'est trop tard. Je voulais en prendre deux. Maintenant, c'est plus un packaging rose. Maintenant, c'est en bleu. Mais bon, c'est exactement les mêmes cotons. Voilà. Et ensuite, il nous reste juste deux derniers produits. C'était vraiment un tout petit haul Primark. Alors apparemment, Primark fête ses 50 ans. Voilà, ça c'est le sac 50, vous voyez. Donc ensuite, j'ai pris, je pense que c'est une nouveauté. C'est un duo de blush et d'highlighter à 3,50 €. C'est le Pink Haze. Voilà, 3,50 €, je pense qu'on voit bien. Le blush, il est un peu... entre le corail et le marron. Voilà, il est comme ceci. Et donc, je vous ai dit, c'est le Pink Haze. Et il est un peu rose gold, la lighter. Donc, j'ai hâte de le tester. Donc, 3,50 €. Ça, c'était une nouveauté. Vous aviez aussi des duos contouring.
Il y avait des nouvelles palettes, mais si vous allez voir dans mon méga haul d'anniversaire, j'en ai au moins 6 palettes, des grandes. Là, il y avait des palettes soldées, donc ça valait le coup. Et dernier achat, alors là, je l'ai testé. Je l'ai testé avant de l'acheter. Ça sent super bon. C'est le parfum de la petite sirène, The Little Mermaid. C'est une eau de parfum de 100 millilitres. Voilà. Et dedans, vous avez des fragrances Blossom Flower, donc je pense c'est aux fleurs. Vous avez de la pomegranate et vous avez du jasmin. J'aurais dû traduire avant de vous faire la vidéo. Voilà, c'est marqué Tantalizing Fragrance of Blossoming Flower on Glazed Pomegranate Top Note Balanced on a Core of Vibrant Jasmine. Donc il y a pomegranate et jasmin. Et je ne sais pas si vous verrez, le flacon, il ressemble à un coquillage et il est tout pailleté. Voilà, ça vaut presque le coup de le laisser comme ceci, hein. Je trouve que pour offrir, ça peut être une belle idée de cadeau. Et vous avez la petite sirène sur les côtés. J'ai vraiment craqué. J'ai hésité à le prendre. Et il sent vraiment super bon, hein. Ça fait pas trop une autre. Ça fait pas un parfum trop fleuri. D'ailleurs, j'ai pas pensé que c'était un parfum fleuri. D'ailleurs, je suis très étonnée. Parce que en le pchitant, je saurais pas vous décrire l'odeur. Franchement, si vous avez un Primark vers chez vous, allez le sentir. Parce que pour moi, ça sent pas du tout les fleurs. Donc ça sent super bon, hein, sinon je ne l'aurais pas pris. En plus, le packaging, il est superbe avec les petites paillettes. Voilà, bah écoutez, c'en est tout de mon haul Primark. Vous voyez, ça a été très très rapide. C'était vraiment un petit haul Primark. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!